tous. Dans cette deuxième partie sur la révision comptable, nous allons voir comment consulter facilement les écritures comptables à la MyCompte, partenaire ou autre. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, les écritures comptables du menu dédié sont proposées de manière non filtrée et non regroupée, et c'est à l'utilisateur de manipuler les données pour obtenir l'info qu'il souhaite. Par exemple, si ici je souhaite consulter mes comptes clients, je vais filtrer sur le compte client, le 410 000, puis par partenaire, ici, avec un regroupement par partenaire. Ici, je retrouve ma vision des comptes clients, tiers, c'est-à-dire le compte client à la maille partenaire. Je peux ensuite déplier chaque partenaire pour travailler dessus, notamment pour du lettrage ou de la consultation. De même, si je veux consulter un journal en particulier, disons par exemple mes frais généraux, je peux taper ici un filtre sur le journal, puis soit regrouper par période, soit filtrer directement sur une période dans cette case. Par exemple, avril 2021. Ici, j'obtiens les écritures du journal des frais généraux sur la période d'avril 2021. De même, comme nous l'avons vu tout à l'heure, je peux filtrer sur mes noms lettrés pour faire de la révision comptable, puis regrouper par compte, et ensuite déplier chaque compte pour essayer de lettrer. Toutes les vues affichées ici peuvent être exportées en un clic par l'action « Exporter la vue courante » en sélectionnant les écritures avant. Action « Exporter la vue courante » et j'obtiens le fichier Excel qui est exactement ce que j'avais sur l'écran, c'est-à-dire mes trois premiers comptes pliés et les autres dépliés à la suite. Ici, l'ajout de champs supplémentaires par un module dédié permet d'ajouter en plus des informations qui peuvent servir à l'export.